Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi peignez-vous la peinture moitié? Parce que les gens veulent toujours payer la moitié. Savez-vous où le trésor de Limoux? Le trésor de Limoux? Oui, tiens. Voilà. Le trésor de Limoux, oui, bien sûr, je sais où est le trésor de Limoux. Oui, tu sais? Suivez-moi! Un peintre peut en cacher un autre. Mon ami Nancy devrait savoir où trouver le trésor. Oh, c'est vous! Venez, rentrez! Sais-tu où est-ce qu'on pourrait trouver le trésor de Limoux? Le trésor de Limoux, tu vas le trouver sur les pistes de danse. Oh, bien sûr, les pistes de danse. Ah, nous sommes arrivés à Rennes-le-Château. Une longue histoire de trésors dans ce petit village. Peut-être trouverons-nous le trésor de Limoux. Allez, viens. Personne ne voulait y vivre. Il n'y avait rien à faire. Un jour, un curé est venu au village. Et tout d'un coup, il a restauré l'église. Les gens se demandaient, mais comment fait-il sans argent pour restaurer cette église? Il a même fait construire une tour. Une tour comme sur un château. C'est pour ça que le nom s'appelle Rennes-le-Château. Et depuis ce temps-là, les gens se demandent quel était le trésor. Peut-être le trésor des cathares, ou des templiers, ou des visigoths. Qui sait? Qui peut dire où est le trésor de Rennes-le-Château? Comment sais-tu que le trésor est ici? Je ne sais pas si le trésor est ici. Je cherche le message. On m'a dit que cette porte donnait les messages aux chercheurs de trésors. Le trésor est certainement un château de Roquemendour. Bien sûr, je connais bien le château de Rocamadour. Allons-y. Bienvenue à Rocamadour. Regarde. Oh, c'est joli. Oh là là. N'êtes-vous pas trop fatigué de voyager comme ça? Non, je ne suis pas fatigué de voyager. D'abord, je ne suis pas vieux. Je suis ici depuis longtemps. D'ailleurs, je connais une grotte magique. D'accord. Si vous voulez voir comment j'étais quand j'étais jeune, venez, je vous montre. Cette grotte est magique. Peut-être le trésor sera là.
Je suis très désolé. Je n'ai pas trouvé le trésor. Mon Dieu, vous êtes jeune. Oh, mais j'ai rajeuni. Oh, je suis redevenu moi-même. Allons-y, partons. Excusez-moi, monsieur. Tous les trésors du monde se trouvent au bout de votre nez. Est-ce que vous comprenez? Fais voir. Tous les trésors du monde se trouvent au bout de votre nez. J'en ai aucune idée. Je ne sais même pas où nous sommes. Retournons à Limoux. Peut-être le trésor est encore là. D'accord. Ah, Limoux, mon village. Mais merci beaucoup, monsieur. Quel est votre nom? Mon nom? Venez, je vais signer